Aujourd'hui, on va regarder en détail comment fonctionne la Music Box dans Phasmophobia. La Music Box est un des 7 objets maudits qu'on peut trouver lors d'une investigation. Si vous la tenez à votre main et vous cliquez sur Right Click, elle va s'activer, faisant jouer une musique, et en même temps, le fantôme va se mettre à chanter de sa pièce où il se trouve. Si la Music Box arrive à moins de 5 mètres du fantôme, le fantôme va se manifester comme une Ghost Event et va marcher en direction de la Music Box. Vous pouvez tenir la Music Box ou la déposer sur le plancher, et c'est la seule façon de se débarrasser de la Music Box de façon safe si vous êtes dans la maison et si le fantôme ne s'est pas manifesté. À noter que être à moins de 2,5 mètres de la Music Box va baisser votre santé mentale à 2,5% par seconde jusqu'à un maximum de 75% de santé mentale, ce qui est la durée totale de la musique qui peut jouer à distance du fantôme. Et ça s'applique à tous les joueurs qui sont à moins de 2,5 mètres de la Music Box. La Music Box va enclencher une chasse maudite si le fantôme est proche du joueur qui tient la Music Box, si le fantôme marche jusqu'à la Music Box et y touche, ou si la Music Box est lancée sur le plancher dans la maison. Par contre, une chasse normale va arriver si votre santé mentale tombe à 0% ou si le fantôme initie une chasse normale parce que vous avez une santé mentale basse. Une autre façon simple de disposer de la Music Box est de sortir de la maison, de la déposer sur le plancher ou de la lancer pour simplement la désactiver complètement si vous voulez pas perdre la santé mentale. Une chose à noter, si vous approchez du Shade et qu'il apparaît sous forme de Ghost Event, il a une chance d'apparaître en forme d'ombre noire au lieu d'une forme 100% physique. Donc c'est une façon facile d'identifier un Shade lorsque vous activez la Music Box. Donc voici des stratégies que j'ai développées pour utiliser la Music Box. Vous pouvez activer la Music Box quand vous savez si le fantôme est dans une pièce pour le faire apparaître et prendre une photo facilement. Vous pouvez aussi utiliser la Music Box, l'activer, la placer sur le plancher et rentrer dans l'intérieur de la maison en suivant le son du fantôme. Vous n'allez donc pas perdre de santé mentale et le fantôme ne va donc pas partir une chasse et vous allez pouvoir savoir dans quelle direction se trouve le fantôme dans une grande place comme par exemple la prison, l'école ou Sunny Meadow. Bien entendu, si vous faites apparaître le fantôme pour prendre une photo, notez bien que le fantôme va hanter après 5 secondes d'être apparu, donc préférez-vous aller soit vous cacher ou sortir de la maison si vous êtes près de la porte. Une chose à noter, la Music Box peut être utilisée une seule fois par mission, alors utilisez-la intelligemment. Sur ce, j'espère que ça vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!